Algérienne. Ah, il va falloir être très vigilant. Soit essayer de mettre un joueur en couverture, soit essayer de décaler un milieu de terrain en tant que troisième. Voilà. En forme qui viennent de plusieurs clubs. Attention à la percussion, la frappée, la parade du gardien Daès qui vient s'interposer devant l'attaquant de cette formation ghanéenne. Pour contrer cette équipe, notre équipe doit mettre de l'engagement, doit mettre de la combativité aussi, de l'agressivité dans le jeu et un bloc équipe qui doit être très compact pour diminuer les espaces en face de ça. Allez, il va falloir se replacer, il va falloir revenir. Attention à la percussion, encore une fois, la frappe et encore le portier Daès qui s'interpose une deuxième fois. Toujours face à son équipe. Deuxième tentative, deuxième action. Allez, attention à la récupération de la balle, la frappe lointaine et son problème pour Saïd Daès. Deux belles parades du portier Daès. Ah, c'était bien joué. Et la parade comme un gardien de hand, Daès. Oui, Hakim, monsieur, on voit qu'il y a une défense plate qui pouvait jouer un mauvais tour à notre. Ah, Emmanuel. Allez, l'emballon qui va profiter, passer à Daès. Alors qu'on revoit cette percussion et cette parade du portier. La récupération de ballon par Maxwell qui va tenter le centre sans problème. Daès qui rassure sa défense. Allez, la frappe lointaine et pas de souci pour Saïd Daès. Je disais, le jeune Kadri du Paradou Athletic Club habitué à temps. Il va falloir être très très vigilant. Oula, là encore le dégagement de la défense. Attention à la frappe et le but. Oula, quelle occasion pour l'équipe du Ghana. Allez, attention, c'est pas fini. La tête et la récupération de balle pour le portier. On a encore eu chaud en cette entame de première, de seconde mi-temps. Quelle frappe. Reprise de volée sans contrôle, Hakim. Heureusement que Daès était là, il a su comment dévier le ballon. Aidé par la transversale également. Oui, parce que c'était une balle flottante, c'était un rebond, donc c'était difficile de la capter. Et heureusement que le gardien était là. Et on revoit encore la parade du portier. Des joueurs du Ghana. Allez, la percussion, le but. Oula, encore un sauvetage, attention à la fin. La première fois, il prive l'équipe du Ghana d'un but valable. Il est en train de donner de l'assurance à ses coéquipiers, surtout en défense. Et ça démontre que ce gardien a de la qualité. Les choses, ouais. Allez, le centre. Et Daès qui vient s'imposer. Et j'en suis sûr, du côté algérien, si on insiste sur les tirs qu'on refait à chaque fois. Et pas de souci, heureusement, pour on a tendance à compliquer un petit peu les choses en gardant le ballon. درك قيمة الحفاظ على النتيجة وخروج بأنها فايزة في المباراة وبأنها فازت في المباراة خروج الحارس بطريقة جميلة اليادي الكرة وخروج حارس المرمى هاي الإعادة للكرة المرفوعة سعد فعل كان تدخل قوي كرة حذاري من هذه الكرة هنا حارس المرمى مقارنة بمباراة الذهاب حذاري من هذه الكرة وخروج حارس المرمى سعد داعس يلعب التماس الراسية وخروج الحارس يريد يطمئن على الكرة بأن أمامه سعد داعس فعلا يعني كان فيه تدخل من محمد بن رمضان شاهد كيف تدخل محمد بن رمضان كانت فيه إصابة التغيير الثاني يتهيأ لإجراء المنتخب التونسي المنهزم في مجموع المباراتين ب4-2 سيواجه منتخب آخر قوي وقوي جدا اسم المنتخب الغاني يا حذاري من اللاعبين التونسيين سعاد او سعيد دعاس في المكان المناسب
سعيد دعاس أخرج هذه الكرة التي كانت متجهة مباشرة إلى احتسبها حكم المباراة. هاي الإعادة للكرة الثابتة التي كانت متجهة مبلل. هذه الكرة التونسية دعاس رايع. هاي الإعادة وهاي التوزيعة والسيد دعاس